It is a great privilege for me to be here with you on this Sabbath. C'est un grand privilège pour moi d'être avec vous en cette journée de sabbat. But it is very dangerous to invite a speaker that doesn't speak any French. Mais c'est très dangereux d'inviter un orateur qui ne parle pas le français. The advantage is, of course, the translator can say whatever she wants. L'avantage, c'est que la traductrice peut dire absolument ce qu'elle veut. And I won't know the difference. Et notre orateur de ce matin ne verra pas la différence. This morning, I want to talk about three key ideas. Ce matin, j'aimerais aborder trois idées majeures. Jesus. Jésus. The law. La loi. And grace. Et la grâce. And I want us to see that all three point very close to the same goal. J'aimerais montrer que ces trois aspects vont dans le même sens, dans le même but, ont le même but. And if I were to get one message through, I would want to say that Jesus is the clearest revelation of God. Et si je devais laisser un seul message ce matin, ce serait de dire que Jésus est la véritable révélation de Dieu. But if you listen carefully to that statement, mais si vous écoutez attentivement cette déclaration, that tells us that if Jesus is the clearest revelation of God, elle nous dit que si Jésus est la révélation la plus forte, la plus claire de Dieu, then some of the revelations which God gives are not as clear. Alors cela implique que certaines révélations que Dieu nous a données ne sont pas aussi fortes, pas aussi claires que celles de Jésus. Now why would God give revelations that are not as good, not as clear? Alors pourquoi Dieu nous donnerait-il des révélations qui ne sont pas aussi fortes, aussi bonnes, aussi claires? It's because people cannot understand the great ideal first time around. C'est parce que les gens ne peuvent pas comprendre le premier idéal, le véritable idéal au premier abord. I remember some of my experiences when I taught as an exchange teacher at our school in Darmstadt. Je me souviens de certaines de mes interventions et de certaines réactions lorsque j'ai enseigné à Darmstadt. I did not understand my German students very well. Je ne comprenais pas bien mes étudiants. I had always understood that the Germans are very bright, very intelligent. J'avais toujours pensé que les Allemands étaient très intelligents, très vifs d'esprit. But I interpreted their body language as if they were American students. Mais j'interprétais leur langage corporel comme s'il s'agissait d'étudiants américains. So body language suggested to me that everything was perfectly clear. D'après leur langage corporel, j'avais le sentiment que tout ce que je leur disais était parfaitement clair. Really meant that they hadn't begun to understand at all. Mais en fait, cela signifiait qu'ils n'avaient absolument rien compris à ce que je disais. So at the first of the year, I went over some material fairly quickly. Alors là, au début de l'année, j'ai passé assez rapidement sur certains sujets. That was in August. C'était au mois d'août. But it wasn't until February that probably one of the brightest students in the class raised his hand. Mais c'est seulement au mois de février que l'un des étudiants les plus brillants du groupe a levé la main. And when he asked his questions, all of a sudden the lights came on. Et quand il m'a posé sa question, tout d'un coup, tout est devenu clair pour moi. They were just now beginning to understand what I thought was clear from the beginning. Ils commençaient seulement à comprendre ce qui, d'après moi, était clair pour eux depuis le début. Now, that has something to tell us when we read the Bible and try to understand God. Eh bien, cela nous dit quelque chose sur la façon dont nous lisons la Bible et dont nous comprenons Dieu. The first time we see God will not be the clearest picture that we have. La première fois que nous voyons Dieu, nous n'en avons pas une image extrêmement claire. But it's always easier to understand God when we see a person. Mais c'est toujours plus facile de comprendre Dieu quand nous le voyons en personne. So I would like for you to encourage to think about Jesus and the stories about Jesus. Alors je vous encourage à vous intéresser à Jésus et aux histoires où Jésus est impliqué. I would love to be able to present God the way Jesus did. J'aimerais beaucoup vous présenter Dieu comme Jésus l'a fait. Unfortunately, my face does not look as kind as Jesus apparently did.
Malheureusement, mon visage n'est pas aussi beau que celui de Jésus. Now I watched the children this morning, and these French children were very well behaved. J'ai regardé tous les enfants qui étaient rassemblés ce matin et j'ai trouvé qu'ils étaient très bien élevés, qu'ils se comportaient très bien. At Walla Walla, we usually invite the pastors and the elders to come and sit with the children. À Walla Walla, nous invitons généralement le pasteur et les anciens à approcher également et à s'asseoir avec les enfants. That is supposed to keep the children in order. Et en réalité, c'est pour faire en sorte que les enfants restent sages. So that they don't pull up the house, the plants, and pick the flowers. C'est pour qu'ils ne renversent pas les plantes et qu'ils ne cueillent pas les fleurs qui sont près d'eux. A few months ago, I was on the platform with the speakers. Il y a quelques mois, j'étais sur l'estrade avec les orateurs. And when I came down to sit with the children, et quand je suis descendu pour m'asseoir avec les enfants, two little girls came running up from their fathers. Deux petites filles ont approché. They took one look at me and burst into tears. Elles m'ont regardé et elles ont éclaté en sanglots. My wife tries to help me look kinder. She rubs the wrinkles out of my forehead. Ma femme s'efforce de faire en sorte que je sois un petit peu plus beau. Elle essaye d'effacer les rides de mon front. But I'm afraid that doesn't do very much good. Mais malheureusement, je crois que ça ne sert pas à grand chose. But now let's look at the contrast between Jesus and the God of the Old Testament. Réfléchissons maintenant quelques instants au contraste entre Jésus et le Dieu de l'Ancien Testament. And we must not be afraid to see the contrast between gentle Jesus and the scary God of Mount Sinai. Nous ne devons pas avoir peur de prendre conscience, de parler de ce contraste entre Jésus, cet homme bon, et Dieu, ce Dieu qui fait parfois peur. You see, when Jesus had the children come to him, quand Jésus faisait venir près de lui les enfants, he actually took them into his arms. Il les prenait dans ses bras. And the children came, they did not run away. Et les enfants s'approchaient, ils ne s'enfuyaient pas loin de Jésus. In fact, when Jesus cleansed the temple, quand Jésus a purifié le temple, and was really angry, et quand il s'est vraiment mis en colère, the most amazing thing happened. Une chose absolument incroyable s'est produite. The evil people fled. Les gens mauvais se sont enfuis. But the children came running to him. Mais en revanche, les enfants se sont approchés de Jésus à ce moment-là. Now, usually when adults get angry, généralement quand les adultes se fâchent, the children head to the hills. En général, les enfants vont aussi loin que possible de ces adultes-là. But not with Jesus. Mais ce n'était pas le cas avec Jésus. Les enfants se sont approchés de lui. I would give anything to be angry like that. Je donnerais beaucoup pour être en colère comme Jésus l'était. Now, let me ask you a question from the Gospels. Alors, permettez-moi de vous poser une question concernant les Évangiles. How many people did Jesus kill when he was here on earth? According to the Gospels. D'après les Évangiles, combien de personnes Jésus a-t-il tué quand il était sur la terre? Let me see how many. 1, 2, 3, 100. Zero. Alors, à votre avis, 0, 1, 2, 3, des centaines? Zero. Jesus did not kill anyone when he came to earth. La réponse est bien sûr 0. Jésus n'a jamais tué personne quand il était sur la terre. In fact, one author said when Jesus cleansed the temple, he attacked the furniture, not the people. En réalité, quand Jésus a purifié le temple, il s'en est pris aux objets qui étaient dans le temple et non pas aux personnes qui étaient présentes. Now, let's go to our Bibles to Deuteronomy 5. Prenons maintenant nos Bibles et ouvrons-les à Deutéronome chapitre 5. And I want us to see the sharp contrast. J'aimerais que nous voyions le contraste important qu'il y a between what happened at Mount Sinai entre ce qui s'est passé sur le mont Sinaï and what happened when Jesus came to earth. Et ce qui s'est passé quand Jésus est venu sur la terre. I'll begin reading with verse 22. Je vais commencer à lire à partir du verset 22 of Deuteronomy 5. De Deutéronome 5. These are the commandments that the Lord proclaimed in a loud voice to your whole assembly
there on the mountain. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. From out of the fire, the cloud, and the deep darkness. Okay, I read that already. Oh, you read that already. Okay. And he added nothing more. Sans rien ajouter, donc. And he wrote them on two stone tablets and gave them to me. Il les écrivit sur deux tables de pierre qu'il me donna. When you heard the voice out of the darkness, while the mountain was ablaze with fire. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu. All the leaders of your tribes and their elders came to me. Vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi. And you said. Et vous avez dit, the Lord our God has shown us his glory and majesty. Voici, l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur. And we have heard his voice out of the fire. Et nous avons entendu sa voix au milieu du feu. Today we have seen that a person can live even if God speaks with them. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. But now, why should we die? Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? This great fire will consume us. Car ce grand feu nous dévorera. And we will die if we hear the voice of the Lord our God any longer. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. For what mortal has ever heard the voice of the living God speaking out of the fire as we have and survived? Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu de feu et qui soit demeuré vivant? Go near and listen to all that the Lord our God says. Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Then tell us whatever the Lord our God tells you, we will listen and obey. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que tu diras l'Éternel notre Dieu, nous l'écouterons et nous le ferons. The Lord heard you when you spoke to me, and the Lord said to me. L'Éternel a entendu les paroles que vous m'avez adressées, et l'Éternel me dit. And the Lord said to me, I have heard what this people have said to you. J'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Everything they said was good. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, that their hearts would be inclined to fear me and keep all my commandments always, so that it might go well with them and their children forever. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. These people were scared to death. Ces personnes étaient terrifiées, elles étaient paralysées par la peur. They didn't think it was possible to come close to God and still live. Elles ne pensaient pas qu'il était possible de s'approcher de Dieu et de vivre. And that was where they had to start. Et c'est de là qu'il fallait pour eux partir. And that's almost always where we have to start when we are young. Et c'est toujours à partir de là que nous commençons à réfléchir quand nous sommes jeunes. If a two-year-old child, si un enfant de 2 ans, sees a piece of broken glass, voit un morceau de verre cassé, and the parent says, "Don't touch." Et si ses parents lui disent, "Attention, ne touche pas." American children will touch. Les enfants américains vont s'approcher et toucher les morceaux de verre. So you have to say, look at the birdies, or look, alors, so that they won't hurt themselves. Alors il est préférable de leur dire, attention, regarde les enfants, regarde les oiseaux, et de cette façon-là, ils ne se blesseront pas. In fact, there's a bit of a joke here. I don't know if there may be some Germans here. Je voudrais faire une petite plaisanterie, mais peut-être qu'il y a des Allemands dans l'assemblée. In English, is it easier to say yes or no? En anglais, généralement, nous disons oui ou non. No. Children learn no, no, no. Les enfants apprennent non, non. Now, in German, is it easier to say ja or nein? En allemand, est-ce qu'il est préférable, plus facile de dire ja ou bien nein? Ja, ja. So, Germans are obedient. Alors, il est plus facile de dire « ja » en allemand. Donc, les enfants allemands sont plus obéissants. And Americans are rebellious. Alors que les enfants américains sont plus rebelles. Parce qu'il est plus facile de dire « non » en anglais qu'en allemand.
Now, let's go to the New Testament, 1 John chapter 1. Prenons maintenant le Nouveau Testament, Jean 1, 1 Jean, pardon, la première épître de Jean. Because this is where we see the great contrast. C'est là que nous voyons le grand contraste between what God was like in the Old Testament, entre Dieu tel qu'il est présenté dans l'Ancien Testament, and what he revealed himself to be in Jesus. Et la façon dont il se révèle en Jésus dans le Nouveau Testament. I'll begin reading with chapter 1, verse 1. Je vais commencer à lire au chapitre 1, donc de 1 Jean, verset 1. That which was from the beginning. Ce qui était dès le commencement. That which we have heard, what we have seen with our eyes, and what we've looked at and touched with our hands. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. This we proclaim concerning the word of life. The life appeared. We have seen it and testify to it and proclaim to you the eternal life which was with the Father and has appeared to us. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. You see, we've touched, we have seen, we have heard, and this is God. Le texte dit, nous avons vu, nous avons entendu, nous avons touché. Voilà qui est Dieu. A huge contrast between the God of Mount Sinai. Il y a une grande différence entre le Dieu du Mont Sinaï and the God revealed in Jesus Christ. Et Dieu tel qu'il se révèle en Jésus-Christ. Now, what we need to remember is that when God comes to us today, nous devons alors nous souvenir que quand Dieu vient à nous aujourd'hui, there are still some of us who need to be frightened in order to obey. Certains d'entre nous éprouvent le besoin d'avoir peur pour pouvoir obéir. I don't know why that is, but that's simply the way the world is. Je ne sais pas pourquoi il en est ainsi, mais c'est comme ça que le monde est fait. Now, in the very last verse of 1 Corinthians 4, tout dernier verset de 1 Corinthiens chapitre 4, Paul is telling his rather troublesome church. Paul dit à l'église qui traverse alors des difficultés. What do you want? Shall I come to you with a stick? Or with love in the spirit of gentleness. Que voulez-vous, que je vienne avec vous avec un bâton ou bien que je vienne avec vous dans un esprit d'amour? Now I use that verse in my teaching. J'utilise généralement ce verset dans mes cours. Sometimes I have students who have not been turning in all their assignments. Parfois certains de mes étudiants ne rendent pas tous leurs devoirs. And I come to them quietly. Je m'approche d'eux tranquillement, discrètement. Do you want me to come to you with a stick? Est-ce que vous voulez que je vienne auprès de vous avec un bâton? Or love in the spirit of kindness. Ou bien avec beaucoup d'amour et de bonté. About 70% say no stick Thompson, I'll turn it in. En général, 70% d'entre eux disent non, sans bâton, avec de l'amour et de la bonté. But about 30% of them say I need the stick, bring on the stick. Mais environ 30% d'entre eux disent j'ai vraiment besoin d'un bon coup de bâton. And as one of my students observed, il y a un de mes étudiants, probably half of those who say they don't want the stick really need it after all. En fait, la moitié de ceux qui disent ne pas avoir besoin de bâton auraient réellement besoin d'un coup de bâton. And that's why we have so many different things in the Bible, because we are all at different places. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de livres différents et de choses différentes dans la Bible. C'est parce que nous sommes tous différents les uns des autres. Now, let me turn the focus from Jesus to the word law. Maintenant, passons de Jésus à la loi. Now, I don't know how it sounds in French, but in English, law is not a friendly word. Je ne sais pas comment ce mot sonne en français, mais en anglais, le mot loi n'est pas un mot très agréable. In fact, one of the more sobering statements in English is to hear, it's the law. En général, une des déclarations les plus impressionnantes en anglais est « c'est la loi ». I've never heard anybody say that with a smile on their face. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire cette phrase avec un grand sourire. Now, a question about seat belts. They're required here in France, right? Absolutely. Yeah. Okay. Un petit mot à propos des ceintures de sécurité. Elles sont effectivement obligatoires en voiture en France. Now, what happens if the police finds that you have not
worn your seatbelt? Que se passe-t-il si un policier réalise que vous n'avez pas mis votre ceinture de sécurité? Is there a fine? Yeah. Okay. Il y a effectivement une contravention, une amende. When we first began to get serious about seatbelts in the United States, que nous avons commencé à prendre la question de la sécurité en voiture au sérieux aux États-Unis, they tried a very nice little sign. Ils ont essayé de mettre des panneaux très très agréables, très bien rédigés. Two hearts, buckle up, we love you. Il y avait deux cœurs qui étaient accrochés l'un à l'autre avec la mention « Nous vous aimons ». Didn't work. Nobody buckled up. Ça n'a pas fonctionné. Personne n'a mis sa ceinture de sécurité. So they got a little bit more rigorous. Buckle up, it's the law. Alors ils ont employé une expression un petit peu plus sévère. Accrochez-vous, mettez votre ceinture, c'est la loi. Sometimes they would soften it and say, buckle up, it's our law. Parfois ils changeaient un petit peu. Ils disaient, mettez vos ceintures, c'est notre loi. But it really didn't work until they got serious with a fine. Mais ça n'a pas fonctionné jusqu'à ce qu'ils prennent enfin ce sujet au sérieux et qu'ils décident de mettre des contraventions en cas du non-port de la ceinture. Click it or ticket. Je pense que vous avez compris, c'est difficile à traduire, c'est mettez-la ou bien vous aurez une contravention. Il y a un jeu de mots qu'on ne peut pas traduire en français. And that works. Et cette façon de faire a procédé. Now, if you look very carefully at my forehead, si vous regardez très attentivement mon front, you will see evidence that I have learned the hard way to wear a seat belt. Vous allez constater que j'ai appris la façon un petit peu difficile à mettre ma ceinture de sécurité. Many years ago, when I was dating my wife, il y a de nombreuses années, quand je courtisais ma femme, I was visiting at her home, at her folks' place. Je me rendais dans sa famille un jour. And it had rained lightly at night. Il avait plu tard le soir. And then had frozen. Il avait gelé ensuite. So I couldn't drive my car. We had to drive her parents' car. Alors je n'ai pas pu prendre ma voiture, nous avons dû prendre la voiture de ses parents. And it was a brand new Chevrolet. C'était une Chevrolet toute neuve, toute récente. Now even at that time I had buckled up when I was driving. C'était il y a longtemps et pourtant je m'étais déjà attaché, j'avais mis ma ceinture de sécurité. But I wasn't used to buckling up when I was in the passenger side. Mais je n'avais pas l'habitude de mettre ma ceinture quand j'étais sur le siège du passager. So, my wife-to-be was driving the car. Ma future femme était en train de conduire la voiture. And the roads weren't icy. La rue était complètement gelée. Until we came to the bridge. Et nous sommes arrivés à un pont. We slipped out of control. La voiture a glissé. J'ai perdu le contrôle de la voiture. Elle a perdu le contrôle de la voiture. I saw the telephone pole coming. J'ai vu la cabine téléphonique approcher. And I put my hands out. J'ai mis mes mains devant. But even if you're only going 30 kilometers, mais même si vous n'allez qu'à 30 km/h, and I smashed out the windscreen with my head. Et bien effectivement, donc nous n'allions pas vite, simplement à 30 km/h, et pourtant, malgré les mains que j'ai mises en avant pour me protéger, ma tête a heurté le pare-brise. The blood began to pour forth. J'ai commencé à saigner dans tous les sens. My poor wife-to-be was terrified. Ma pauvre future femme était terrifiée, paniquée. There was one flap that was holding loose. Il y avait un morceau de peau qui s'était détaché. I put it back in place. Je l'ai remis en place. But if you look carefully, there are two scars here. Si vous approchez de moi et que vous observez attentivement mon front, vous constaterez que j'ai deux cicatrices. This is over 50 years later. Et pourtant, cela fait déjà 50 ans que cela s'est produit. But if I rub here, mais si je frotte mon front à cet endroit-là, I feel it up here. Eh bien, je le sens un petit peu plus loin aussi sur mon crâne. And just last night, there was a little bead of blood on my forehead. La nuit dernière, il y a un petit peu de sang qui est apparu sur mon front. A piece of glass from 50 years ago had worked its way out. Parce qu'un tout petit morceau de verre qui était donc rentré dans mon front il y a 50 ans avait fait surface, a été approché de la peau. So I don't have. Nobody has to convince me to wear a seat belt. Plus personne n'a besoin de me convaincre de mettre ma ceinture de sécurité.
Now, when God gives us the law, alors quand Dieu nous donne la loi, He doesn't want us to have to learn the hard way. Il n'a pas très envie que nous apprenions à respecter de la loi de la façon la plus violente qui soit. Let's go back to Deuteronomy. Reprenons le livre du Deutéronome. In Deuteronomy chapter 4, au chapitre 4, Deutéronome chapitre 4, Moses is telling the people that the law is not bad, it's good. Moïse est en train de dire au peuple que la loi n'est pas mauvaise, au contraire, elle est bonne. You could even say, I gave you laws to keep you from getting hurt. On pourrait même dire les choses de cette façon. Dieu a donné la loi pour faire en sorte que nous ne nous blessions pas. Let's begin reading with verse 5. Commençons à lire au chapitre 4. See, I have taught you decrees and laws as the Lord my God commanded me, so that you may follow them in the land that you are entering to take possession. Deutéronome chapitre 4, verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Observe them carefully, for this will show your wisdom and understanding to the nations. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Who will hear about all these decrees and say, surely this is a nation, a wise and understanding people. Aux yeux des peuples donc qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. What other nation is so great as to have their gods near to them, the way the Lord our God is near to us whenever we pray to him? Quelle est en effet la grande nation qui ait des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? And what other nation is so great as to have such righteous decrees and laws as this body of laws I am setting before you today? Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? So law is intended to be good news. La loi est faite pour être une bonne nouvelle. You could even say law is gospel because gospel means good news. On pourrait donc dire que la loi c'est l'évangile parce que l'évangile c'est la bonne nouvelle. But it's very difficult for us to hear laws as good news. Mais pourtant c'est difficile pour nous d'entendre cette expression la loi c'est une bonne nouvelle. Let's go to Jeremiah, the passage we read for scripture, Jeremiah 31. Prenons Jérémie au chapitre 31. Verses 33 and 34. Et nous lirons les versets 33 et 34. This is the new covenant promise. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. But I want you to note that it is in the Old Testament, not in the New. Alors ce texte parle en réalité de la nouvelle alliance, et ce texte sur la nouvelle alliance est étonnamment dans l'Ancien Testament et non pas dans le Nouveau Testament. Let's begin reading with verse 33. Commençons au verset 33. This is the covenant I will make with the people of Israel after that time, declares the Lord. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. I will put my law in their minds and write it on their hearts. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. I will be their God and they will be my people. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. No longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, because they will all know me, from the least of them to the greatest. Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Do you see there, God is saying that we are coming to a place where nobody will tell anybody what to do. Dieu dit ici que nous sommes dans un endroit où personne, où nous irons dans un endroit où personne ne dira aux autres ce qu'ils doivent savoir. You see, I am a rebel. I hate to be told what to do. Vous savez, en réalité, je suis un rebelle. Je déteste qu'on me dise ce que je dois faire. And I have a reason to believe that many people are like that. Et j'ai de bonnes raisons de penser qu'un grand nombre de personnes sont comme ça. Our older daughter, who plays the piano, notre fille aînée qui joue du piano, and the cello, et du violoncelle,
had a father who wanted to teach her how to play the piano. À un père qui voulait lui apprendre à jouer au piano. You should never take piano lessons from your parents. Il est vraiment préférable de ne jamais prendre de cours de piano avec ses propres parents. Now my study was right under the piano. Mon bureau était dans la pièce en dessous de celle où il y avait le piano. And as the day wore on and the piano wasn't playing, les jours passaient et je n'entendais pas la musique venant du piano. I would say, Karen, isn't it time to practice? Alors je disais à ma fille, dis-moi, est-ce que le moment n'est pas venu pour toi de travailler un petit peu ton piano? And she would say, Daddy, I was just on the way to the piano. Et elle me répondait, Papa, j'étais justement en train de m'approcher de mon piano. But now I don't feel like it. Mais là, au moment où on parle, je n'ai plus très envie de jouer. So God is aware of how easy it is for us to be pushed the wrong direction by a command. Eh bien, il en est un petit peu de la même. C'est un peu la même chose avec Dieu. Nous allons dans sa direction, mais nous n'aimons pas que l'on nous dise que nous devons nous approcher de lui. But still, the purpose of law, if we could only understand it, is for our best good. Et pourtant, le but de la loi, et il serait bien que nous le comprenions, le but de la loi, c'est de nous faire du bien. Elle est faite pour notre bien. As the passage in Jeremiah says, there will come a time when we are not even aware of law. Le temps viendra où nous n'aurons même plus la conscience de la loi. It will be like playing the piano or swimming or riding a bicycle. Pratiquer la loi sera pour nous comme jouer du piano ou bien faire du vélo ou nager. Once you know how to do it, you don't even think about it. Quand on sait faire, on n'y pense même plus. And so if our heart is touched in the right way, it will make it possible for us to obey. Alors si notre cœur est touché de la bonne façon, alors nous pourrons obéir sans aucune difficulté. But now let's take a quick focus on the last word, grace. We've talked about Jesus, the clearest revelation of God. Alors disons maintenant quelques mots de la grâce. Nous avons parlé de Jésus, qui est la plus forte révélation de Dieu. And we could say that Jesus was law in the flesh. We could see it in a person. Et nous pouvons dire que Jésus était l'incarnation de la loi. And then we have law in words. Et nous avons aussi la loi qui s'exprime en paroles dans la Bible. But what happens when we realize that we fall far short of the ideal? Mais que se passe-t-il quand nous réalisons que nous sommes bien loin de l'idéal de Jésus? Once when Peter caught a great catch of fish at Jesus' command, un jour, alors que Pierre venait d'attraper de pêcher un grand nombre de poissons en suivant les paroles de Jésus, he suddenly realized that he was an unworthy person. Il a soudain pris conscience du fait qu'il n'était pas digne. And he came out of the water and fell at Jesus' feet. Alors il est sorti de l'eau et il est tombé aux pieds de Jésus. And he said, "Depart from me, for I am a sinful man." Et il a dit à Jésus, éloigne de toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. But is that God's ideal? Mais est-ce l'idéal de Dieu? No, God wants us to come to him so we can look, so we can hear, so we can touch. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il ne veut pas que nous nous éloignions de lui. Il veut que nous nous approchions au contraire pour pouvoir l'entendre, le voir et le toucher. And this is where the story of the cross is so terribly important. C'est pour cette raison que l'histoire de la croix est incroyablement importante. Because when we have done our best efforts, we realize we have still fallen short. Parce que nous réalisons que malgré tous les plus grands efforts que nous pouvons fournir, nous sommes bien loin de l'idéal. And that's where Romans chapter 8 verse 1 may be the most important verse in the Bible. Et c'est pour ça que le premier verset du chapitre 8 de l'Épître aux Romains est peut-être le verset le plus important de la Bible. It says very clearly, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ce verset dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jesus, the law, grace. Jésus, la loi, la grâce.
are all upon God's great purpose to have us live with Him for all eternity. Tout cela a un seul but, nous permettre de vivre avec Jésus, avec Dieu pour l'éternité. By God's grace, may that happen to us today. Par la grâce de Dieu, que nous puissions vivre cela aujourd'hui dans notre vie. Amen.